Bonjour à tous, c'est votre joli épisode de ma vidéo, j'espère que vous allez bien les amis, de retour sur Quantum Break, on va évidemment poursuivre notre aventure et aujourd'hui, acte 3, partie 1, le centre de recherche, c'est parti. Acte 3, la petite sauterie. La sécurité était renforcée au gala de Monarch. Vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup. Si nous voulions enlever le docteur Amaral, nous allions devoir le faire de l'intérieur. Bess Wilder, vous lui avez vite fait confiance? On partageait les mêmes intérêts. Et rien d'autre? Et ça suffisait. Enfin, je commençais à penser que je verrais plus jamais vos jolis yeux. Essayez de la fermer pendant que je m'assure qu'on est seul avant de commencer. Ok. Vous voulez pas me détacher? Arrêtez de geindre! Et vous allez avoir besoin de ça. Merci beaucoup. Pas de quoi. Ouais. La petite sauterie, on se demande pourquoi ce titre, hein? Bess, Jack. Et ça a l'air de quoi dehors? Ils pensent que vous êtes enfermés. Tout le monde se concentre sur la fête. Jusqu'ici, votre plan de dingue fonctionne. Et le docteur Amaral? Je l'ai pas encore vu. Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici, sur l'île. Je vais voir à la fête. Ok. Donc vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance. Vous avez tout prévu, on dirait. Je vous garderai une saucisse cocktail. Ah, dans ce cas, c'est bon. Ok, qu'est-ce que je dois faire, là? Ah, je dois attendre. Ils finiront par me démasquer, mais ça devrait pas arriver tout de suite, alors vous pouvez sortir par devant avec moi. C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement. J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours, mais il y aura des gardes. Contactez-moi quand vous y serez. Jack, vous savez ce qui est en jeu. Il n'est pas question de vengeance ici. Je suis pas là pour Paul. Tu viens pas avec moi? Non! C'est parti! Viens avec moi! Viens! 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 Boum! On est tout seul, livré à nous-mêmes. Oh oh! Putain! Ok. Ouf! On va passer loin. Ok. Oh mais c'est... Boum, c'est dur à comprendre toutes ces touches, bordel. Ok. Pas facile, hein. Déjà que les gâchettes, je sais jamais... Ça va laisser des marques, ça. Qu'est-ce que c'est, ces touches LB, RT? Je suis sans arrêt obligé de regarder, donc... Mes pouvoirs grandissaient. Et j'apprenais à les maîtriser petit à petit. C'était une sensation incroyable. Mais qui a conçu ces portes? Bon, je vais devoir être plus rapide pour les franchir. Ok, c'est bon. Est-ce que je dois aller? Il n'y a rien. En haut? Non, c'est là. Ok, on peut aller là. Ça fait très science-fiction, très monarque. Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Non, c'est pas à eux. Je dois aller où maintenant? Je peux monter là? Eh, hey, Bess, j'y suis. Oui. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Attention. Oh putain. Là, j'étais sûr.
Ok, on va être plus malin qu'elle. Oh merde! Oh putain! Où est-ce que je dois aller là? Je dois franchir ce truc là? Attends, c'est pas possible. Ah, c'est la fête là-bas. Est-ce que je peux. Le blindage est trop épais. Eh, vous auriez pu me prévenir pour ça, Bess. Ok. Oh, c'était chaud. On a changé le flingue. Eh, c'est pas évident. Hein. Mais c'est la fête là-bas, gros. C'est la soirée de gala. Comment j'accède à cette tour radar? Par là-haut. Saute. Hop. Il faut que je passe de l'autre côté. Il doit y avoir un moyen de passer. Ouais, il doit y avoir un moyen de passer. Évidemment. C'est mon but, c'est d'aller de l'autre côté, ok. Pas. Je peux pas descendre là en bas, il va se casser la gueule. Ah, ok. Ok. Je dois y retourner en bas, mettre ça en place et me dépêcher de monter, mais c'est une mission impossible. Comme neuf. C'est impossible. Si, c'est possible. Comment on va expliquer au public ce qui s'est passé au Calsèche? T'inquiète, il y a avec nos hommes là-bas. On peut raconter ce qu'on veut. Faire passer ça pour un accident. Ou bien accuser Joyce. Ouais, après tout, tout ça c'est de sa faute. Alors il peut bien assumer. Ok. Yes. Oh, dans les coucougnettes. Ah, ok, on comprend mieux le mécanisme. Ça va mieux maintenant avec ce système de ralenti. Ça va beaucoup mieux. J'allume ce truc. Non. Qu'est-ce que je vais faire là? J'allume le bas en haut. Attends, il y a encore quelque chose à faire. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, le truc. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. J'ai réfléchi. D'après les calculs de Monarch, les interruptions se rapprochent. Si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral. Vous serez figé. Oui, je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de Monarch ont un équipe. Ouvrez le feu! Oh merde. Merde! Les snipers. Sniper! Oh putain, le sniper! Pouh! Ah, ça devient dur! Comment tu veux que je fasse? Fallait viser le sniper avant. Comment on va expliquer au public ce qui s'est passé au cas? QG, on lance l'attaque terminée! Sniper! Ah, on va y aller, Gaco! Merci, Joyce! Non! Le sniper! Quand tu veux que je fasse protection. Voilà, c'est bon. Alors, là. C'est bon, attention. C'est bon. En avant, le sniper. Aucun souci. C'est bon. Oh, ah, il est pas mort. T'as un mec qui arrive là. Ok, dans ta tête. Ok, c'est bon. Il y en a un qui prend sa place. Non. C'est qui me tire dessus, là? Il y en a qui arrive là-bas. Il y a plus de snipers, je crois. Bien, il y en a... Non, il y en a deux là-bas. C'est bon. Sans souci. Et toi, sans souci. Ok. C'est encore. Atteignez le toit là, éliminez tous les ennemis. Ah non, il y en a encore.
Attends, j'ai bientôt plus de munitions, attention. Là-bas, ok, il y en a un là-bas. Ok. Ça n'arrête pas. Ah, ah. Allez, encore un en haut. Hop. Attendez, on va prendre celui-là en vert. On va l'avoir là. Ok, c'est bon. Où est-ce qu'il y en a encore un en haut? Sans souci. Sans souci, plutôt. Là, il est bien camouflé là, j'arrive à viser la tête là. Mais non, il est camouflé, un petit sapin qui le camoufle. C'est tout, il n'y a plus que celui-là. Yes. Écoutez, ça va le faire là. Yes. De spectacle quand même. Ok, donc on va récupérer un peu les munitions. Et où c'est le tour radar? J'en monte là forcément. Je sais pas, mais je pense. Ok, elle est là-bas. Est-ce que je peux passer ici? Bon. Prochain arrêt, la tour radar. Encore une. Qu'est-ce qu'il y a encore une? Ah ok, ce truc là-bas, ouais ok. C'est bon, on s'en fout, sans souci. Non, garde ta petite arme. On va passer comme ça là. Hop. Hop. Trop facile. Ok. Ah, j'aurais pu passer ici aussi. Ah bah bien sûr. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ok, là, qu'il y a accès là. Hop. Bess, je suis dans la tour radar. Où est le labo? Sous vos pieds. C'est une zone top secrète. Prenez l'ascenseur pour descendre. Wow, sérieux? C'est un repère de super méchants ou quoi? Vous croyez pas si bien dire. Essayez de pas tomber dans la fosse à requins. Ok. C'est quoi ce bordel? Merde. Ok, j'ai été flashé, je sais pas par quoi. Attention. Utilisez l'ascenseur pour entrer dans le centre de R&D. Vous ne vous attendiez pas à quelqu'un d'aussi charmant. Malheureusement, monsieur Serena. Le discours est en direct. Donnons à Monarch le public qu'il mérite. Le contrôle sur les étapes à venir. Et c'est notre thème ce soir. L'avenir. Ok, on va descendre. Hé, Bess, je descends dans les labos. Ok. Un petit vent de panique souffle sur la fête. Le bras droit de Seren est sur scène. Ça aurait dû être Seren lui-même. Ouais, j'imagine que Paul était trop obnubilé par notre petite tête-à-tête pour s'occuper de ça. On va le buter. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Une petite musique qui te met dans l'ambiance, là. Ok, on arrive. Jack, le réseau de sécurité locale vient de s'activer. Ils savent... Oh putain! Je fasse quoi? Putain. Vas-y, ouvre-toi. Vas-y. Vas-y, ouvre. Ouvre cette porte. Putain, elle s'est arrêtée là. Oh putain, je me fais canarder là. Oh putain. Oh merde. T'as qu'à juste à tourner les balles, tu sais, l'orientation des balles, puis c'est bon.
Tourne là, tourne là, et puis pouf. Toi, t'as l'air con, toi, quand t'auras plus d'armes. Mais je peux te tirer une balle, puis c'est fini. Même pas. Ok, bon, ça, c'est le plan. Le bureau du docteur Amaral. C'est à l'étage du dessus, on dirait. Je ne vais pas être là quand ils vont se remettre en état. Quand le temps il va de nouveau s'accélérer. Mais je réalise qu'il n'y a pas des choses à récupérer. Apparemment non, on va tout de suite se tailler parce que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Alors. Là, il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, là, arrête, on peut aller le bouclier pour éviter l'instant. Ok. Chaud. Ça va? Ok. Oh putain! Elle se rapproche. Oh putain! Le temps il s'arrête là 2 secondes et puis Oh putain, regardez ça c'est beau! Regardez-moi ça c'est beau ça! Il a pas pu me tirer dessus lui. Ok. T'auras mal quand tu vas te réveiller. Ok, alors, je dois aller là-bas. Je vais faire un petit tour ici. Ok, voir sur quoi ils travaillent. S'il y a des petites infos à collecter, moi je suis preneur. Il n'y a rien du tout. Foutre un peu le bordel par là. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Aucune idée. Oh merde, du coup on va avoir joué comme ça. Absorbeur de chronon. Les absorbeurs de chronon neutralisent vos pouvoirs, désactivez-les ou sortez de leur rayon d'action pour retrouver vos pouvoirs. Et ils sont où ces trucs? Ils sont où? Ah non, je peux pas passer, je dois pas passer. Je dois flinguer quelque chose. Ah, voilà. Merci, monsieur. C'est mieux. Pourquoi on peut bien leur servir ces trucs? Mais c'est pour que j'ai inspiré mes pouvoirs. Ils reprennent pas, vieux. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. Ok. Ouf, c'est chaud. Quand Paul est venu me voir dans cette cellule, il m'a dit que le temps était une boucle. Merde. Qu'on ne pouvait pas arrêter la fracture. Quand j'ai vu cet endroit, je me suis demandé à quoi tout ça pouvait bien rimer, puisque le temps touchait à sa fin. Une balle dans la tête. Tu veux bien. Hey, 2 one-shots, les amis. 2 one-shots. L'alarme se déclencherait dès la fin de l'interruption. Mon temps était compté. Non, faut pas le pistolet rafale. Bonjour. Ah. Le graphique montrait que les plus grandes avancées technologiques de Monarch avaient commencé en 2010, au même moment qu'un autre événement d'importance. La zone zéro. Et c'est là où je dois aller? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, bah c'est entre deux. C'est quoi ça? Oh putain. Oh putain. Ah, j'aime pas ça, putain. Oh là là. Oh my god. Oh my god! Un boss! Allez. Ça va le faire. Il faut étudier comment le vaincre. Je pense que c'est derrière son dos. Il faut faire ça. Là. Boum. Haha.
Ah oui, c'est ça son point faible. Tu me fais pas peur, regarde, regarde que je vais être malin. Hop. Oh putain, les dégâts. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Merde. Oh putain, il y en a derrière le dos. C'est enfoiré. Ils sont venus derrière mon dos. Oh là là, combien de fois il faudra que j'arrive combien de fois je vais perdre avant de pouvoir réussir à vaincre ce boss. On a compris, j'ai tout de suite compris que c'est derrière le dos qu'il faut l'abattre, mais il faut que ces petits cons ils arrêtent d'arriver, hein. Oh putain, c'est quoi ce truc? Mais elle recharge, c'est bon. Yes. Mais il est pas bien. Il est pas bien. J'ai réussi ou pas? Non. Yes. J'ai réussi, Zany. Deux coups de pompe dans le dos. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh putain. Non, 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 non. Ah, il y a encore un là-bas que j'avais pas buté avant. Aucun souci, poteau. Aucun souci. Je te finis. Ah, mais non, je t'ai pas fini. C'est bon. Ah, 3 essais, les amis. 3 essais pour y parvenir. C'était hardcore, c'est vrai. Mais 3 bons coups de fusil à pompe dans le dos, là, ça l'a calmé. Ça l'a mis au calme, là. C'était un peu laborieux, mais... Le bureau d'Amaral, c'est par où? Tant que ça passe, on dit pas non. Ces trucs ressemblaient à des chars ambulants. Ils ne vous étaient pas destinés. Ne rêvez pas. Ok. Tiens, tiens. Ok. Donc tu veux que j'aille là-dessus en fait. Ok. Je peux peut-être sortir par là. Ok, donc là. Yes. Et ensuite. Allez là-bas au fond, je pense. Non, c'est coincé. Je me fie de ce truc. Un petit peu de plateforme. Non. J'ai loupé. Ok, c'est bon. On passe là-dessus. On descend. J'imagine que c'est pas le chemin le plus emprunté. Ouais, t'as bien deviné. Ouf, c'est chaud. J'ai failli tomber là. Imagine le mec, il doit faire ça pour aller dans son bureau tous les jours. Il a sa séance de fitness, le mec. Il est où son bureau? Ok, il est là-bas. Une petite poussette là, pouf. Alors. Le docteur Amaral doit plus être loin. Oh putain, mais quel nul! Oh là 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 là! On enlèvera son montage, les amis, c'est rien passé.
Ok. Où est-ce qu'il y a son bureau? Pas d'alarme. On dirait que personne ici n'est au courant du grabuge que j'ai fait en arrivant. Bien joué. Ah, attends. Excuse-moi. Je prends quelques petites infos, ça te dérange pas? Il est là, son bureau. Ah, là encore. C'est toujours des trucs narratifs à trouver. C'est ici, son bureau. Voilà le bureau d'Amaral. Amaral avait déjà essayé d'avertir Paul. La fin du temps était imminente. Elle surviendrait dans les 24 heures, tout au plus. Monsieur Seren pensait que ça ne se produirait pas avant des années. Là-dessus, on peut dire qu'il se trompait. Ça ressemble à ce que Bess voulait. Ok. Merde. Amaral est à la fête. Bon, bah, allez, l'interruption ne durera pas. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici et de rejoindre la fête. Cool, on va aller à une fête, les amis. Ça, j'ai déjà vu ça, non? On va aller à une fête, les amis. Bonjour. Je regarde tout, hein, si ça vous dérange pas. C'est beau chez vous, les bureaux, ils sont nickels. Et là, je dois aller où, là? Descendre, là, en bas. Ok. Allez, on salue, salut. L'autre avec ses livres, là. Plouf, plouf. Ok, donc c'est descendre. L'équipement que vous avez volé vaut une fortune. Passez-moi la facture. Je savais que la couverture de Bess ne tiendrait pas longtemps. Il fallait que je le lui apporte à la fête au plus vite. Il y a forcément un endroit. Renseignement trouvé, ok. Oui, ça peut être intéressant. Que je lis pas, bien sûr. Autrement, mon Dieu, les vidéos duraient des heures. Mais maintenant, il me faudrait passer là. Ah, c'est ici. C'est là-haut. Non? Où est-ce que je dois aller, là? Ok, donc on pouvait rentrer ici, ça, j'avais pas vu. J'ai tourné en rond pendant 10 minutes à chercher comment rentrer, et en fait, la porte était ouverte. Des armes qui fonctionnent lors des interruptions. Paul voulait que les armes résistent après la fin du temps. Ok. Un chronon, ça? Yes. Très bien. Point d'amélioration. Je pourrais utiliser un point d'amélioration. Cool. Le gala de Monarch. Bon, voilà, les amis, on va s'arrêter ici pour cette nouvelle vidéo sur Quantum Break. Dans la prochaine, on ira trouver le docteur Amaral au gala. Voilà, on ira faire la fête. Je pense qu'il va y avoir de l'action, hein. Je pense que ça va être chaud là-bas. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et aussi de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. A tout bientôt, les amis. Ciao. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse.